Pour s'y retrouver, les scientifiques ont découpé l'histoire de notre planète en plusieurs tranches. La première et la plus longue, c'est ce qu'on appelle le précambrien, des origines jusqu'à moins 600 millions d'années. L'ère primaire vient juste après, elle est plus courte. Enfin, tout est relatif, un peu plus de 350 millions d'années. Alors vous imaginez tout ce qui a pu se passer pendant ce temps? Les premiers animaux à coquilles, puis les premiers vertébrés, les poissons, se développent dans les océans. La végétation se répand sur les continents, puis les animaux mettent leur nez dehors. Les amphibiens d'abord. On trouve également des insectes. Alors 350 millions d'années, c'est long. Voilà pourquoi les scientifiques ont divisé les aires en périodes, et le Carbonifère est l'une d'entre elles, située plutôt à la fin de l'ère primaire.